Hello to everyone. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un cours très spécial. Il est pour toutes les personnes, n'importe quel niveau. J'essaie de m'adapter. C'est pour la Fédération internationale de yoga pour leur congrès international. Donc je voudrais tout d'abord saluer toutes les associations en Europe, en Amérique du Nord et Amérique du Sud. C'est un plaisir de vous voir. J'espère que un jour on va se voir en vrai aussi avec la plus grande partie de vous à nouveau. Et bon, je fais tout avec mon cœur, donc restez avec moi. Voilà, tout d'abord je vous dis namasté. Comme toujours, moi je commence avec les respirations et puis après on va faire une petite prière. Je m'appelle Tania pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà. Et le yoga c'est ma passion. C'est voilà. C'est la chose qui me fait vibrer dans ma vie. Donc j'espère que vous pouvez le faire avec moi et de vous sentir vraiment aussi très heureux et très soulagé. Si vous voulez fermer les yeux et plonger dans la tranquillité, dans l'harmonie, on commence avec les respirations de ventre. Donc on pose la main sur le ventre avec l'inspiration pour le ventre et quand on expire, on rentre le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez encore une fois. Expirez. Remplissez votre corps avec de l'énergie, avec du prana, avec oxygène. Maintenant, on pose la main sur les côtes. Bien. Aussi également, vous pouvez les mettre au-dessus de la tête. C'est comme vous préférez. Baissez les épaules. Voilà. On redresse le dos et on inspire, on écarte les côtes. Voilà, on ouvre bien le thorax. Concentrez-vous sur le mouvement du thorax. Avec l'inspiration, on écarte, on ouvre le thorax. Avec l'expiration, on rapproche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Dernière inspiration.
Expiration. Super. Et maintenant, on descend les mains, les bras. Et on continue avec les respirations avec les parties superficielles des poumons, donc la partie plante des poumons et la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main sur le sternum, on inspire et on remonte la poitrine vers le haut et en avant. On expire et on descend. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Si vous sentez bien les mouvements déjà de corps, de la poitrine, vous pouvez relâcher la main sur le genou. Expirez. Et maintenant, on réunit les trois variétés de respiration en même temps. Donc, inspirez avec le ventre, thorax et la poitrine. Utilisez toutes les capacités de vos poumons. Et puis après, on reste. Et on expire. On reste quelques instants. Inspirez. Restez. Expirez. Inspirez à nouveau. Remplissez-vous avec de la joie, avec du bonheur. Expirez. Inspirez. Restez quelques instants. Expirez. Dernière répétition, inspirez. Restez. Expirez. Respiration normale, on frotte les mains. Et quand vous sentez qu'il se sent bien échauffé, qu'il a l'énergie entre les paumes des mains, vous les posez sur les yeux fermés. On va faire une petite prière. Ishvara Pranipana. Voilà, pour avoir la bénédiction dans notre vie. Pour la force supérieure. Et maintenant, mentalement, remerciez, mais remerciez très profondément de tout votre cœur, de tout votre être intérieur, de votre âme. Remerciez à vos parents, n'importe ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils étaient bons parents ou pas bons? Est-ce que vous avez tout l'amour du monde ou peut-être pas assez? Remerciez-vous parce qu'ils ont fait leur mieux par rapport à l'état spirituel qu'ils ont eu pendant votre enfance. Remerciez. Remerciez également vos enfants.
Remerciez-eux pour toutes les leçons qu'ils vous donnent tous les jours. Remerciez-eux pour le choix qu'ils ont fait de devenir vos enfants pendant cette incarnation. Remerciez également à toutes les professeurs dans votre vie, toutes les personnes qui vous enseignent quelque chose ou qui vous avaient enseigné. Remerciez à vos proches, à votre famille, à vos amis. Remerciez également à vos ennemis. Parce qu'ils ont aussi un rôle très important dans notre vie. Ils nous aident à avancer, à progresser, à nous développer personnellement. Donc, remerciez après à vous-même, à votre corps physique, votre corps mental, émotionnel, à votre esprit, votre âme. Remerciez votre être intérieur, à votre enfant intérieur, à votre être de lumière. Et demandez pour une satisfaction complète de votre vrai rêve et besoin. Remerciez l'univers pour toutes les opportunités qu'elle vous propose à la société et la terre-mère. Donc, évitez l'abondance dans votre vie et décidez à partir de maintenant de faire votre vie comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, de honorer votre vie. Honorer votre vie. C'est déjà la première mission pendant notre incarnation. De apprendre à honorer notre vie. Et puis après, comme je vous avais dit, demandez pour une satisfaction complète de voir un vrai rêve. Et besoin pour pouvoir accomplir l'autre mission dans notre vie si on a une autre mission. Bien évidemment, pas toutes les personnes, ils sont ça. On descend lentement les mains, on regarde avec le sourire, on sourit à notre corps. Tout notre regard interne, notre enfant intérieur. Et puis après, je vous dis un nouveau namasté. Voilà, on est prêt à continuer. C'était un peu plus long que cette prière que d'habitude. Mais bon, j'espère que ça a été assez bénéfique pour vous. Donc, on se redresse et on commence les mouvements très très douces et lentes avec la tête. Comme je vous ai promis, le cours ne sera pas très compliqué. Donc, il sera pour tous les niveaux. Tous les niveaux. Appréciez ce moment de bonheur. Accordez-vous le temps de l'apprécier. Inclinaison de la tête, donc, vers le côté droit et vers le côté gauche. Allez, le plus loin possible. Et maintenant, on fait des rotations.
cercle avec la tête. Vers une sens. Et puis après, vers l'autre sens. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps qu'il vous faudra pour être heureux, pour honorer votre corps avec avec les mouvements très doux qui vont libérer le stress et la tension. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Maintenant, pendant l'expiration, on baisse le bras gauche et la main droite sur le cou, sur le nuque. On envoie le menton vers la poitrine, vers la côté droite de la poitrine. Et on étire le cou. Inspirez vers le haut, on tend les bras. Expirez et vous baissez la tête vers le côté gauche de la poitrine. Redressez le dos, baissez l'épaule. Inspirez vers le haut. On va refaire encore une fois. Expirez vers le côté droit. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas, vers la partie. Vers le côté gauche. Très bien. Respirez. Et maintenant, on envoie la tête, inclinez la tête à gauche. Envoyez les doigts vers le plafond. Inspirez, étirez vers le haut. Expirez, étirez vers le droit. Inspirez. Et maintenant, pendant l'expiration, on croise les doigts et on les pose derrière la tête sur le nuque. On baisse la tête au milieu. On envoie le menton vers le sternum. Inspiration, on écarte les coudes. Expiration, on baisse la tête. Inspirez, écartez les coudes. Expirez, baissez la tête. Très bien. Bon. Allez, on tend les jambes et on relâche un petit peu. Relâchez. Parfait. Très bien. On va se mettre sur les genoux. Donc, on inspire. On baisse les épaules. On rapproche les omoplates. La tête vers le plafond. Et pendant l'expiration, on rentre le ventre, on envoie le bassin, on bascule le bassin en avant aussi également. Et le menton va vers le sternum, on monte les bras, on monte les coudes vers le plafond. Inspirez, on cambre un petit peu le dos. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Bien. Expirez encore un peu plus, jusqu'au maximum. On vide complètement les poumons. On croise les doigts, on envoie les bras vers le haut.
inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez. Dernière répétition, on inspire. Et on expire. Très bien. On remonte. Je me tourne en face vers vous. Donc, on tend la jambe droite sur le côté. Voilà, on se redresse, on baisse les épaules, on glisse la main droite sur le genou. Inspirez. Expirez, tirez le corps. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez et on étire de l'autre côté. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Voilà, on se redresse et maintenant on va plier la jambe droite. On pose la main sur le genou, la même main sur le genou et l'autre main sur la taille. On inspire avec le ventre, thorax et la poitrine. Et pendant l'expiration, on envoie le poids vers la jambe qui est sur la côté. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien, super. On inspire et on remonte. Voilà. Et pendant l'expiration, on pose les mains à côté de la jambe. Et on descend en avant. On baisse le plus possible le bassin. Voilà. On va rester pendant deux respirations. Avec chaque expiration, vous essayez de vous détendre vers le bas. Donc, relâchez toutes les tendons, tous les ligaments dans votre corps. Pendant l'expiration, on inspire par le nez, bien sûr, avec le ventre thorax et la poitrine. Et avec l'expiration, on se détend. Voilà, très bien. Inspirez. Expirez. On essaye de relever les bras. On inspire. Et on expire. Inspirez. Expirez. Très bien. On pose la main posée par terre. Et puis après, avec l'autre main, on rattrape le pied derrière. Et on étire jusque loin qu'on peut. Le talon vers les fesses. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. On relâche lentement. Et puis après, on envoie le poids de corps vers la jambe derrière. On tend le genou devant. On inspire avec le ventre, thorax et la poitrine. On garde le dos bien redressé. Regardez devant vous. Et puis après, avec l'expiration, si vous arrivez, vous descendez, vous pliez légèrement les coudes
jusqu'au moment que vous le supportez, il ne faut pas qu'elle s'attire énormément. Donc vous devez sentir l'étirement, mais vous écoutez aussi les appels de votre corps. Donc si elle vous dit non, j'arrive plus, vous arrêtez, vous descendez pas plus que ça. Inspirez. Expirez. Inspirez, remontez légèrement. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très très bien. En inspirant, on remonte. Et pendant l'expiration, on tend l'autre bras vers le plafond. Donc on fait une rotation au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et si on arrive, on plie le coude, on pose la main sur le sacrum. Inspirez. Expirez. Inspirez. Pendant l'expiration, on tend le bras et on revient en avant. Voilà, super. Très très bien. Une petite pause pour les étirements des jambes. On va faire l'exercice du chat. Inspirez. On écrase le dos. Et pendant l'expiration, on rentre le dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On tend la jambe droite sur la côté, celle qui était devant tout à l'heure. Si vous avez fait tout d'abord avec la jambe à gauche, vous tendez la jambe à gauche sur la côté. On inspire, on envoie la main droite vers le haut, vers le plafond. Et pendant l'expiration, on laisse passer le bras entre l'autre bras et la jambe à plier. Inspirez, étirez. Expirez. Inspirez. Expirez, étirez, on reste en bas, on tend l'autre bras. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, très bien, on remonte doucement, voilà, donc on replie la jambe, inspiration, expiration, on tend les bras, et on envoie le bassin vers le plafond, on étire les épaules. On étire la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez, on s'assoit sur les talons. Inspirez avec le ventre, thorax et la poitrine. Expirez. Expirez. Expirez, on déplace les mains sur le côté et on étire toute cette partie droite de notre corps. Expirez. 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 Et pendant l'expiration, on étire l'autre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Super. On revient au milieu. On remonte doucement. Voilà. Restez assis sur les talons. On pose la main opposée sur le genou devant. Bon, n'importe sur la genou. On va faire les deux côtés. Donc, on pose la main, par exemple, droite sur le genou gauche. On inspire, on monte la main gauche vers le haut, bras gauche vers le haut. Et pendant l'expiration, rotation de la colonne vertébrale, on pose l'autre bras. L'autre main par terre et on fait rotation maximale tant que votre corps il vous le permet. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez, remontez le bras. Expirez, descendez. On va faire la même chose pour l'autre côté. Je reviens très très rapidement. Juste il faut mettre le chargeur. Hop. Voilà. Donc, on s'assoit sur les talons, on pose la main gauche sur le genou droit, on inspire, on remonte l'autre bras, on expire et on fait une rotation de la colonne vertébrale. Inspirez avec le ventre, thorax et la poitrine. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Remontez le bras. Expirez. Voilà. Bien, bien, bien. On va refaire la série d'étirements au niveau du hanche, l'articulation du hanche. Avec l'autre jambe, donc on pose le talon sur la même axe avec le genou. Vous avez les orteils de l'autre jambe par terre. On inspire. Pendant l'expiration, on descend en avant. Voilà. Même si vous voulez poser les mains par terre, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Avec chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. Inspirez. Expirez. Très très bien. On pose les mains à côté et on rattrape le pied derrière. Expirez. Et pendant l'expiration, on étire la jambe. Expirez. Expirez, relâchez le pied. Voilà, maintenant on envoie notre poids en arrière et on tend la jambe devant. Voilà, posez le talon, faites flex avec le pied. En inspirant, on se redresse, on regarde devant nous. Donc redressez bien le dos. Inspirez. Et expirez, si votre corps vous le permet, vous pliez les coudes et vous descendez un petit peu plus. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 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 Expirez une dernière fois. Expirez. Inspirez. On remonte. Voilà. Et on pose la main opposée. Voilà, on le laisse par terre. Et on fait une rotation au niveau des épaules, on envoie l'autre bras vers le plafond. Concentrez-vous sur un point loin devant vous. Inspirez. Voilà, faites attention de garder le genou bien au-dessus de la hanche, sur le même axe. Voilà, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et pendant l'expiration, on pose la main sur le sacrum. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. On tend le bras. Expirez. Revenez en avant. Et maintenant, on pose la jambe sur la côté, comme tout à l'heure. Voilà, je vais retourner comme ça, pour que vous voyez bien. Voilà. Donc on écarte la jambe, on glisse la main sur le genou, inspirez, expirez, étirez le corps, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, remontez. Et pendant l'expiration, on pose l'autre main par terre. Voilà, on étire vers l'autre sens. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez, remontez. Voilà, c'est presque fini. Et maintenant, on plie vos genoux. Faites attention aux genoux et le talon sur le même axe. Voilà, donc on pose la main sur le genou et l'autre main sur la taille. Inspirez. Expirez. Et puis après, vous étirez le plus bas possible. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Une dernière répétition. On inspire, on remonte. On expire et on descend. Voilà. Bien, bien, bien. On remonte. Et maintenant, on s'assoit. Avec les jambes croisées. Un petit exercice pour les yeux. On va le faire cette fois-ci avec les yeux fermés. On va travailler un petit peu l'imagination. Donc fermez les yeux et vous posez l'index devant vous. Imaginez que vous concentrez votre regard. Regardez. Sur l'index. Tout le reste c'est flou, vous voyez qui le doit. Et puis après on déplace les yeux vers un point loin devant nous. Le doigt. Le bout du nez. Le doigt et la pointe loin devant nous. Le doigt. Rapprochez lentement le doigt vers le bout du nez. Et puis après, quand vous le touchez, vous éloignez aussi lentement. Vous suivez le doigt avec les yeux. Avec les yeux fermés, bien sûr. Et maintenant, on fixe les yeux. Fixe les yeux sur un point loin devant vous. On regarde le plus haut possible et le plus bas possible. À gauche, à droite. On fait un grand cercle avec les yeux. Vers l'autre sens pareil. Très bien, très très bien. On frotte les mains. Sentez la création d'énergie entre les paumes des mains. Et puis après, vous les posez sur les yeux fermés, récupérez l'énergie. Remerciez encore une fois à l'univers pour tout ce que vous avez dans votre vie. Remerciez pour cet petit moment de bonheur, de la gratitude, de la bienveillance et l'harmonie. Rechargez votre corps avec de l'énergie, de la nature, du ciel, du soleil. On baisse lentement les mains et puis après, on peut ouvrir les yeux avec l'index et le pouce. On va pousser la narine droite, la respiration avec la narine alternée et les autres trois doigts sur le front.
On va boucher la narine gauche quand c'est nécessaire avec le petit doigt. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Expirez par la droite. Expirez par la droite. Expirez par la gauche. Expirez par la gauche. Expirez par la droite. Expirez par la droite. Expirez par la gauche. Expirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. On croise les paumes des mains devant la narine. On inspire et on concentre notre énergie au niveau du plexus solaire. Sentez l'énergie de l'univers. Connectez-vous à cette énergie. Pendant l'expiration, vous la dispersez vers toutes les parties de votre corps. Inspirez. Concentrez cette boule d'énergie au niveau du plexus solaire. Et puis après, avec l'expiration, disperse. Si vous pouvez l'envoyer vers un endroit problématique de notre corps. Inspirez. Expirez. Je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là. qui partageait ce petit moment de bonheur avec moi. Je voudrais aussi envoyer mes salutations distinguées, comme je vous ai dit, à toutes les autres associations en Europe et aussi en Amérique du Sud, Amérique du Nord, pour ce congrès international de yoga organisé par la Fédération Internationale de Yoga. Et j'espère vraiment que ça vous avait plu. Donc je vous dis à très bientôt. Très bientôt avec moi, Tania. Je vous souhaite une belle journée. Une très très belle journée. Rempli avec de l'amour, avec du paix, avec du bonheur et libération de toutes les freins qu'on se pose dans notre vie. À très bientôt.